la veille du départ, c'est un Ferréol. Ah merde, vas-y. Faut qu'on s'éclaire du coup. Ouais. Bon, éclairage du bled. On va être prêt demain. Yaman. Bon bah départ pour Saint-Ferréol, là je suis devant chez moi, donc c'est juste à une petite heure de Toulouse. Donc première virée solo avec le Kangoo, on va visiter lac, cascade, geyser. On va dormir sur place et puis on va essayer de faire une petite vidéo sympathique. De vous faire quelques plans. On va essayer de profiter. Je sais qu'il y a des cascades, des geysers, une belle digue avec peut-être moyen de cliff. Donc s'il y a moyen de cliff, ça va être cool. Mais il fait pas super méga chaud, donc on verra bien. Donc je vais vous filmer d'autres plans et puis c'est parti. Bon du coup ça y est, on y est, donc il pleut un peu, je suis un peu deg parce que bah j'aurais bien aimé profiter de l'extérieur. Bon, ça va pas m'arrêter pour autant, mais je sais qu'il y a une belle digue là bas et s'il aurait fait beau j'aurais voulu cliff, enfin sauter quoi. Donc on va voir, on va essayer de s'approcher de la digue, il y a quand même un peu de soleil, puis on va voir ce que ça donne quoi. Donc voilà, c'est de ce mur là que j'aurais aimé sauter dans l'eau. Bon, seulement il y a plein de panneaux plongeons interdits, baignade interdite. Et il y a pas mal de monde, mine de rien, qui passe. Je viens de me prendre une crête dans l'œil, c'est génial. Pas mal de monde. Donc, peut-être qu'on va attendre le début de soirée. Si jamais je cliffe, peut-être que ce sera après le couvre-feu. Du coup, on verra. On verra. Du coup, je suis en train de me diriger vers le Gerbe, le fameux geyser, proche du lac de Saint-Fé. Donc. Bah, je vais vous filmer une fois qu'on y est. Let's go. J'ai déjà trouvé un petit truc sympa avec une petite cascade. Donc on va continuer à chercher le Gerbe. On va le trouver. On va le trouver les gars. Mais oui. Bon les gars, ça y est, je crois que j'y suis. C'est beau. Je vais vous montrer ça de suite les gars.
enfin voilà, un nouveau lieu de découvert, ça fait plaisir. Donc on va continuer à se balader un peu, on va continuer à visiter un peu en espérant ne pas me casser la gueule parce que c'est assez casse-gueule. J'ai la cascade ici, j'ai le geyser derrière, je sais pas si on le voit sur la vidéo avec les arbres, mais franchement c'est top. On va continuer et puis ce soir, soirée dans Kangoo Power, tu connais. Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais ça y est, on y est. C'est joli, hein ? C'est pas mal. Gars, je sais pas si vous allez entendre sur la vidéo, mais il flotte beaucoup. Je viens de me taper une saucée sur la gueule, donc j'ai dû mettre un terme à ma balade. Là, programme changement de parking. On va se poser dans un parking avec une meilleure vue. Et puis, on va voir si le temps se calme. Ce serait bien. J'aimerais bien essayer de retourner au spot pour essayer de plonger, mais ça me paraît un peu compromis. Donc, à voir par la suite, les gars. Et voilà le petit spot pour la nuit au bord de la digue du lac, là où je voulais sauter. Puis voilà quoi, le Kangoo avec le lit, on a le PC pour se faire une petite série ce soir. Puis on va être bien là, hein. Ça part de là. Bon bah les gars, la pluie reprend et le soir tombe, donc là on va rester posé dans le Kangoo, on va manger des Pringles devant le PC et ça va être pas mal du tout. Petite soirée posée au calme, tu connais. Bon les gars, il m'est arrivé un truc, je me suis chié dessus. Pas pour de vrai bien évidemment, mais j'ai flippé ma race. Je vais vous raconter, vous allez me prendre pour un fou. Mais je vous jure que c'est ce qui s'est passé. Et du coup, c'est pour ça que je dors pas, je vais vous raconter ça. Donc en fait, j'étais au parking. Celui que vous voyez sur la vidéo, là, celui à côté du lac. Donc la nuit est tombée, il faisait nuit noire. Vous l'avez vu, il y a une petite forêt à côté du Kangoo. Il n'y avait pas une seule voiture. Enfin, j'étais dans le noir, j'essayais de dormir. Et puis d'un coup, j'ai entendu du mouvement près de la voiture. Donc faut se mettre en situation, couvre-feu, enfin couvre-feu à 19h, sans erreur personne. Mais du mouvement, comme quelque chose ou quelqu'un qui marchait autour de la voiture. Alors j'ai commencé à vite couper mon téléphone, à me faire pas de bruit, rien. Enfin voilà, j'ai paniqué quoi, j'ai stressé. Et d'un coup, il y a eu un truc comme si quelque chose s'était mangé le capot. Alors soit un animal est monté sur mon capot. Enfin, ça a fait le bruit, ouais, comme si quelqu'un, c'était un piéton, genre, marché, et il s'est cogné contre ma voiture, en fait. Ça a fait un truc comme ça. Ou alors, c'est un animal qui est monté sur mon capot, et vu que j'ai le drapeau, la pirate derrière moi, je vois pas, là, quand je suis derrière ce qu'il y a sur le capot. Et de toute façon, j'étais trop terrorisé pour faire quoi que ce soit. Donc, du coup, j'ai attendu. Au bout de 10-15 minutes, plus de bruit. Je commence à essayer de me redresser, à refaire un peu de mouvement. Je regarde à travers une fenêtre de mon Kangoo. Je vois un truc noir. Alors, c'était pas très haut, mais un peu long, avec une espèce de queue, enfin avec une grande queue.
Et puis c'était dans l'obscurité, je vous ai dit, c'était à travers ma fenêtre, j'ai juste vu un truc noir comme ça marcher, aller dans la forêt, comme un animal. Je sais pas, c'était un faisan, c'était un chien, c'était un gros chat, je sais pas. Mais du coup, bah, vu que je l'ai vu 10 minutes après ce bruit sur ma voiture, et que je l'ai vu à travers ma fenêtre tourner sur le parking, à travers l'obscurité, je me suis dit, oh ma race, faut pas que je bouge, j'avais qu'une envie, c'était prendre ma voiture et me casser, moi. Mais vraiment, me barrer loin, loin, loin. Enfin, me barrer loin. Au moins me garer sur le parking où il y a d'autres camping-cars, et tout ça, histoire de me sentir moins seul au monde, quoi. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. À un moment, j'ai croisé un petit chat. Il y a un petit chat, à un moment, quand j'ai allumé les phares et que je suis parti de mon parking, j'ai vu un petit chat au milieu de la forêt. Alors, est-ce que c'était ce chat-là que j'ai vu? J'en sais rien. Mais en tout cas, les gars, je me suis fait attaquer. Ah. En tout cas, les gars, je viens de me taper un bon gros flip. Et là, ça va mieux. On vient d'arriver sur l'autre parking avec de la lumière, avec des camping-cars à côté de moi. Donc là, ça va. Là, je vais pouvoir être serein et posé plutôt que perdu tout seul sur mon parking solo avec la forêt à côté, sans lumière, sans un bruit, sans rien. Ouais, j'ai flippé. Enfin voilà, c'était la petite anecdote du coup. Et c'est le réveil. Il est actuellement 8h30, 8h18 et on vient de se réveiller. Il fait à peu près, un peu beaucoup frais. Mais ça va, on est quand même bien, c'est cool. Programme, bah, se réveiller, rentrer, on verra. Bon les gars, après vérification, j'ai bien eu un petit visiteur nocturne qui s'est baladé sur mon capot. Il y a quelques empreintes du suspect. Pas très fut-fut, le mec. Je pense, après réflexion et après les empreintes, j'ai regardé un peu sur internet, je pense que c'est peut-être un renard. Soit un gros chat, soit un petit renard. Par rapport à la silhouette que j'ai vue, aux empreintes, ça se peut que ce soit peut-être un petit renard. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait flipper toute la nuit. Let's go! Bon, voilà, les petites traces du visiteur de la nuit. Qui s'est bien, voilà, hein, qui s'est bien fait plaisir. Du coup, on se retrouve chez moi pour un petit débrief de ces 2 petits jours. Donc, coin super sympa, magnifique. Un peu déçu qu'il n'ait plus en fin de journée parce que ça m'a empêché de faire des trucs, notamment de plonger de la digue et de faire des saltos de la digue. J'aurais bien aimé, mais ce n'est que partie remise. Si vous avez l'occasion d'aller dans ce coin-là, c'est à 1 heure de Toulouse. Donc, tous mes potes toulousains ou tous ceux qui sont de passage, n'hésitez vraiment pas, ça vaut le coup d'œil. Je pense qu'en une journée, il y a moyen de tout faire en vrai. Mais si vous voulez bien me profiter, partez un petit week-end et franchement, ça peut être top. Pour revenir sur la petite visite nocturne qui m'a fait flipper. Après réflexion, je pense que c'est soit un chat qui est monté sur mon capot, soit un petit renard par rapport à la silhouette que j'ai vue avec la queue. C'est sûr, ce que j'ai vu marcher, c'était pas un chat. Ce que j'ai vu dans l'ombre, c'était pas un chat. Peut-être un renard. Mais par contre, les empreintes, bon bah on dirait que c'est comme un chat qui a marché sur le capot ou un petit renard, je sais pas. Ça restera le mystère. Donc merci à ce petit animal sorti tout droit de la forêt qui m'a fait flipper ma race. Et puis bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc c'est très court hein, parce qu'au final j'y suis resté qu'une journée et une nuit. Et j'ai dû rentrer assez tôt parce que j'avais plus de batterie dans mes caméras. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et encore une fois, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le détour. Et puis on se retrouve pour de prochaines aventures. Let's go!